Super. Donc, merci à tous d'être parmi nous. Sakibou, je peux te demander de gérer les participants qui sont dans la salle d'attente et de les faire entrer, s'il te plaît? OK, pas de souci. Merci. Donc, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour ce webinaire qui portera sur la gestion de la couverture vaccinale et plus précisément dans les pays francophones. Donc, avant de commencer, je tiens à mentionner, donc c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné au préalable, mais pour tous ceux qui viennent d'arriver, donc vous aurez droit à quelques présentations. J'irai plus en détail là-dessus dans quelques secondes. Néanmoins, si vous avez toute question que vous auriez, n'hésitez pas à regarder dans le chat sur Zoom. J'ai posté le lien vers notre communauté de pratique. Donc, vous verrez que nous avons créé un fil de discussion qui est relatif à ce webinaire et j'invite chacun d'entre vous qui auriez des questions vraiment à les poser par écrit sur la communauté de pratique et nous nous assurons d'y répondre soit pendant le webinaire par écrit, dans tous les cas pendant le webinaire, mais soit par écrit ou alors de manière live. L'intervenant donc qui sera concerné par votre question se fera aussi un plaisir d'y répondre de manière live. Donc voilà, donc c'était juste le petit détail que je voulais ajouter. Encore une fois, bienvenue parmi nous, c'est un plaisir. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, ce webinaire portera sur la gestion de la couverture vaccinale, plus précisément les innovations apportées par les différents pays lors d'implémentations récentes, quels ont été les défis, quelles ont été les solutions mises en place, ainsi que les résultats. Donc ce webinaire est assez particulier pour nous. Parce que, il s'inscrit dans une série de webinaires trimestriels que nous lançons. Donc, celui-ci est la première édition. Nous en sommes d'ailleurs très ravis. Comme vous devez le savoir, le réseau RISP travaille en partenariat depuis maintenant quelques temps avec l'OMS, avec Gavi, avec l'UNICEF, afin de développer et implémenter des outils, mais aussi des ressources, hein, qui ont pour but d'améliorer la couverture vaccinale, et ce, par de meilleures données. Donc, ce webinaire constitue vraiment le lancement des webinaires trimestriels qui porteront sur l'utilisation de DHIS2 dans les programmes de vaccination et aussi avec pour objectif de mettre en exergue des cas d'utilisation concrets. Donc, sans plus tarder, j'aimerais commencer par l'introduction des différents intervenants à ce webinaire. Donc, la première est ma collègue Victoria Crespino, qui est implémentaire de contenu sanitaire au sein de l'Université d'Oslo. Victoria va nous faire une brève introduction sur l'ensemble des outils disponibles, ainsi qu'un rapide état des lieux de la situation dans les pays francophones. Bonjour Victoria. Bonjour Alice, merci à tous d'être ici. Merci à toi d'être parmi nous, c'est un véritable plaisir. Ensuite, nous aurons Sakibou Alassani. Donc, directeur de développement des systèmes au sein de RISP Ouest et Centrale Africa. Donc, RISP Ouest et Centrale Africa sont nos principaux partenaires hein, pour la région Afrique francophone. Donc, Sakibou va nous parler notamment du préenregistrement des individus et de la mise en œuvre hybride au Togo. Bonjour Sakibou, comment vas-tu? Ça va bien, Alice, et de me laisser participer à ce webinaire. Merci à toi d'avoir répondu présent, en tout cas. C'est un véritable plaisir. Ensuite, nous aurons Adolphe Kamununga, qui est responsable implémentation, suivi et documentation au sein de RISP au Rwanda. Adolphe va nous parler de la mise en œuvre récente de DHIS2 à Madagascar en ce qui concerne la couverture vaccinale avec le préenregistrement des individus et activités de vaccination. Comment vas-tu, Adolphe? Bonjour, je vais très bien, merci et merci pour l'opportunité de partager avec l'audience votre expérience. Merci, à très bientôt. Merci à toi. Et ensuite, nous aurons donc Raoul Nambo, qui est gestionnaire de données PEV au sein du ministère de la Santé du Cameroun. Donc, Raoul va nous démontrer le travail effectué par le Cameroun en termes de couverture sanitaire avec DHIS2, plus particulièrement le changement vers un système électronique. Bonjour Raoul, comment vas-tu? Est-ce que tu peux activer ton micro, Raoul? Ah, je pense que tu ne peux pas. Un instant. Désolé. Maintenant, tu devrais pouvoir. OK. Bonjour Alice. J'espère que tout le monde va bien. Merci Bonjour, Raoul. de faire partie de ce webinaire. OK.
Merci beaucoup d'avoir répondu présent et c'est un plaisir pour nous d'avoir une présentation sur le Cameroun. Je pense que c'est la première en ce qui concerne nos webinaires francophones, donc c'est un véritable plaisir. Merci encore une fois. Merci Alice. Et pour terminer de manière majestueuse, hein, je ne la présente plus, Oumou Kalsoum Diallo, donc responsable de DHSD au sein du ministère de la Santé du Sénégal, qui va nous présenter le suivi des données agrégées avec d'autres systèmes de reporting. Bonjour Oumou. Bonjour Alice et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette webinaire. À bientôt. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu présent. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous. Super. Merci. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Et nous allons donc commencer tout de suite ce webinaire, hein, sans plus tarder, car nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir et à apprendre surtout. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue Victoria, pour qui va nous faire une rapide introduction. Victoria, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Alice pour la parole. Je vais être le plus bref possible hein, parce qu'après on a beaucoup de choses à dire hein, comme a dit déjà Alice. Comme on a déjà mentionné, c'est le premier d'une série de webinaires trimestriels qui sont concentrés plutôt sur l'utilisation des HIS2 pour l'équipe de vaccination qu'on a implémentée avec le support de Gavi, de l'OMS et d'UNICEF. Et dans ces webinaires aujourd'hui, concrètement, on va partager les expériences et les meilleures pratiques entre les utilisateurs finaux et les parties prenantes. Et ce premier webinaire est particulièrement axé sur l'innovation et les défis et les barrières et toutes les solutions qui ont été implémentées pendant les développements et l'implémentation des outils des collègues d'analyse et de reporting par les réseaux RISP. Pour avoir un petit aperçu de l'ensemble des outils, on a beaucoup de packages agrégés individuels pour la vaccination de routine et aussi pour la vaccination des masses, si on peut l'appeler comme ça, surtout pour ce qui concerne les COVID-19. Bien sûr, particulièrement avec les récentes activités de vaccination avec les COVID-19, les modules MAPI aussi ont apporté une grande aide pour les signalements des incidents graves et non graves. Nous proposons également des tableaux de bord, des triangulations aussi pour les données de la logistique et l'approvisionnement et les données médicales. Et avec tous ces modules, DHS2 fournit aussi des outils pour la détection rapide des tendances, pour la surveillance des maladies pour la population et aussi, bien sûr, pour l'analyse et la communication des données. Juste pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe dans les mots. Ici, on a un aperçu général de l'implémentation du module de la vaccination pour les COVID-19. Donc, on voit qu'il y a 27 pays qui sont déjà opérationnels et on a 7 qui, en général, sont en train d'être développés, un petit peu le module pour être implémenté. Et 30 pays, ils ont déjà installé les packages PEV de l'OMS. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici parce que je vais laisser déjà la parole à HISP One Central Africa qui a plutôt suivi l'implémentation au Togo, Cameroun et Sénégal et après à HISP Rwanda qui a suivi plutôt la vaccination à Madagascar. Donc, moi, je vais laisser la parole à Sakibou et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Victoria. Juste une question, est-ce qu'il serait possible de te mettre en mode présentation, s'il te plaît? Je suis déjà en présentation, je ne suis pas là. Tu es déjà en présentation? Oui, mais je peux l'annuler et le représenter. Ça marche mieux? Parce qu'on peut encore voir l'URL après, c'est un détail, hein, mais. Attends, attends. Ouais. Je vais le couper et. Ça vaut pas? Sakibou? Attends.
Oui, réessaye. Bon, je pense qu'on va continuer comme ça. Oui, on va continuer. C'est pas grave. Mais bon, hein. Ça va pas? Oui, bon, ça peut aller, c'est pas grave. Mais non. Attends. Non, c'est bon, t'inquiète. Pour ça, tu fais un F11 et puis on oublie tout ça. Là. Ce sont les joies du direct. Désolée. Il n'y a pas de problème. Un petit peu mieux? Oui, oui, c'est bon. OK. Slide précédente, OK. Alors, bonjour à tous. Je vais avoir l'occasion de présenter l'implémentation de la vaccination contre la COVID au Togo. Alors, en ce qui concerne le Togo, comme vous êtes en train de le voir sur l'image à côté, c'était lors de la réception du vaccin Pfizer la semaine dernière pour le compte de la première, deuxième dose de Pfizer. Mais cela a été fait en coordination avec le ministère de la Santé, mais aussi d'autres ministres et certains partenaires qui aident le Togo dans ce système de vaccination au Togo. Alors, notez bien que pour le Togo, ce qui a été intéressant, c'est qu'au tout début même de cette campagne de vaccination, il a été mis en place un cadre de coordination nationale pour le déploiement du vaccin. Mais aussi au niveau de cette coordination, cela permettait de vraiment discuter de la meilleure façon de déployer ce vaccin-là au niveau de tout le pays. Alors, il faut noter que ce n'est pas uniquement le ministère de la Santé qui est impliqué dans cela, mais aussi le ministère de l'économie numérique qui se charge actuellement de tout ce qui est un peu base de données du pays, mais aussi des solutions applicatives pour le pays. Et l'État même aussi s'est complètement impliqué là-dedans, à ce point que non seulement il y a l'État même fourni les ressources financières pour la bonne campagne de vaccination, mais aussi a fait disposer de smartphones et puis de connexions Internet pour les agents vaccinateurs sur le terrain. Alors, en gros, pour le Togo, ce qui a été fait, c'est que pour chaque équipe de vaccination, nous avons deux agents qui vont faire la vaccination, mais aussi deux agents qui vont faire l'enregistrement des données. Une personne sera concernée par l'enregistrement manuel, mais l'autre personne sera beaucoup plus focalisée sur l'enregistrement des données dans le DHS2. Cela va permettre à ce qu'on puisse rapidement avoir les données dans le système. Mais aussi pour que ces personnes puissent avoir les informations du DHS2, nous avons tenu plusieurs formations. Au début, nous avons commencé par la méthode virtuelle, mais aussi on a senti que c'était important aussi de faire la méthode présentielle pour que l'ensemble des pays soient bien formés dans le système pour le bon reporting des informations. Et il est à dire qu'avec cette campagne de vaccination, surtout que les agents enregistrés qui ont été engagés ne sont pas ceux-là qui font la saisie directement dans les DHS de pour les données de routine. Nous avons mis en place davantage cette plateforme d'échange, c'est-à-dire des groupes pour chaque niveau du pays, c'est-à-dire que ce soit les régions, les districts, il y a des petits groupes de WhatsApp et de Telegram pour que rapidement, si certains ont des problèmes, ils puissent avoir des solutions à leurs problèmes. Et pour pouvoir aider aussi à la formation qui a été faite, plusieurs vidéos courtes de démonstrations à cet effet et qui ont été partagées dans les différents plateforme d'échange pour que les gens puissent rapidement savoir ce qu'il faut faire. Surtout que s'il y a une modification au niveau du formulaire, automatiquement, et pour que les gens puissent savoir ce qu'ils doivent faire. Suivant. Alors, pour le Togo, ce qui a été fait au tout début, on a senti que, bon, vu que la quantité de vaccins qui sera là ne sera pas suffisante forcément pour l'ensemble du pays, il a été mis en place par l'autre ministère du numérique une plateforme pour permettre aux gens de pouvoir s'auto-enregistrer. Du genre, c'est dire que bon, moi, je suis ouvert à me faire vacciner. Et donc, cela va permettre à ce qu'on puisse rapidement disposer. Quelles sont les zones? Là, ça va nous permettre de savoir rapidement quelles sont les zones qui sont beaucoup plus désireuses d'être vaccinées.
Et donc, la plateforme, au niveau de la plateforme, les personnes ont la possibilité de pouvoir sélectionner la formation sanitaire dans laquelle elles veulent se faire vacciner. Et avec le temps, vu que la demande est devenue un peu forte, il a été mis en place un numéro court pour permettre aux gens, même qui n'ont même pas la connexion Internet, de pouvoir faire ce pré-enrôlement. Et donc, cela a aussi permis de faire une meilleure prévision du stock qui doit être envoyé dans les zones. Et mais aussi, cela a aussi permis de mieux renforcer le système, le ministère de la Santé, mais aussi le ministère du numérique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut s'enrôler, puis avoir son code d'enrôlement avec lequel va venir se présenter dans le centre de vaccination. Mais le problème qui en découle de ce système de pré-enregistrement est que, comme ces deux bases différentes, la première base, lorsque les gens finissent de s'enregistrer, au tout début, on attendait dans la soirée avant de synchroniser avec le DHS2. Et avec le temps, on a trouvé que quand la campagne réellement a commencé, beaucoup allaient directement au niveau des centres pour se faire enrôler, c'est-à-dire ils ne le font pas avant de venir dans les centres. Et donc, c'était devenu une charge un peu importante qu'on a dû revoir notre système de synchronisation à ce que ça soit direct. Dès que quelqu'un s'enrôle dans la plateforme, un poste rapidement et directement envoyé vers le DHS2 pour que l'information soit disponible au niveau de la plateforme DHS2 pour la saisie des données de vaccination. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, le problème, c'est que ceux-là qui font la saisie de vaccination ont besoin de la connexion en tout temps pour pouvoir rapidement rechercher les personnes qui se sont enrôlées. Donc, c'était un peu l'un des points un peu négatifs de cette solution. Et aussi que beaucoup ont décidé de ne plus forcément s'auto-enrôler, mais de venir directement dans la formation sanitaire. Suivant. Alors, mais ce qui a été intéressant aussi pour le Togo, c'est que nous avons décidé de mettre en pratique en même temps les deux packages, non seulement le package pour le suivi individuel, mais aussi le package des données agrégées. Pourquoi cela? Pour pouvoir permettre de faire la comparaison après des deux sources d'informations, vu qu'on a deux types de personnes qui font la saisie. Et donc, les enregistreurs vont saisir les données individuelles de vaccination à travers le tracker, mais les responsables des formations sanitaires vont donner la situation agrégée de ce qu'ils ont vu du côté manuel. Et cela va permettre de pouvoir faire une comparaison pour savoir s'il y a des personnes pour lesquelles les agents enregistreurs n'ont pas enregistré les informations. Et aussi, cela aussi va permettre de pouvoir disposer rapidement d'une quantité importante de données à la fin de la journée pour les données de vaccination. Et une chose que les RFS se sont mis à faire maintenant, qu'ils ne veulent plus forcément saisir les données agrégées, c'est de faire une extraction de la liste linéaire chaque fin de soirée pour voir par rapport à ce qui a été collecté manuellement, si on a les mêmes informations au niveau du DHS2. Donc, au niveau du DHS2 actuellement, ils peuvent aller au niveau de Event Reports pour pouvoir extraire la liste linéaire de toutes les personnes qui se sont enrôlées dans la base à la fin de la journée pour pouvoir comparer les informations. Et cela a permis de voir même que certains RFS qui ne géraient pas trop bien les données de routine se sont beaucoup plus engagés maintenant davantage à utiliser les DHS2 pour le contrôle de leurs informations. Alors, et pour finir, les perspectives pour le Togo, c'est que maintenant, la deuxième dose est déjà à commencer. Et ça dépasse déjà les 50% de ceux-là qui avaient pris la première dose. Les prochaines étapes concernent maintenant délivrer les certificats de vaccination en respectant un petit peu les normes internationales pour faciliter les passes sanitaires les prochaines fois. Merci. Merci beaucoup, Sakibou. J'aurais juste une petite question rapide pour toi. En termes de chiffres, combien de personnes sont concernées par cette couverture? Est-ce que tu as les chiffres? En termes de chiffres, actuellement, pour la première dose, nous sommes pratiquement à 300 000. Et sur les 300 000-là, il y a déjà, je pense, 62 000 pratiquement qui ont pris la deuxième dose, qui sont complètement vaccinés. C'est super. Merci beaucoup, Sakibou. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté de pratique et à les poser. Et nous ferons en sorte d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup, Sakibou, pour cette première présentation effective de ce qui a été fait au Togo. Nous allons maintenant passer à Adolphe.
de RISP Rwanda, donc, qui va nous parler de la mise en œuvre de DHIS2 pour la couverture vaccinale avec le pré-enregistrement des individus et activités vaccinales à Madagascar. Bonjour Adolphe. Bonjour encore. Bonjour encore et bonsoir pour quelques-uns de nous. Donc je vais vous partager donc l'état d'avancement et la mise en œuvre du paquet COVAX au Madagascar. On a commencé il y a à peu près 30 jours. Là, on a commencé à administrer la première dose. Donc, le gouvernement avait comme cible 238 000 personnes, bien sûr, de plus de 18 ans. Et donc, le système n'était pas déjà prêt pour servir, donc on a commencé un peu vite pour essayer de mettre en place donc le système, et donc en combinant aussi l'usage des registres de vaccination, l'usage papier, aussi les cartes de vaccination, les fiches de pointage, parce que donc dans certains sites de vaccination et les vaccinodromes, donc là où c'était pas possible d'avoir donc utiliser les tablettes, parce que donc partout dans tous les pays les tablettes sont plus utilisées, à peu près 297 tablettes. Et à part ça, donc avant d'initier ou bien de commencer la vaccination, l'État jugeait bon d'initier un système de préenregistrement des gens cibles. Donc, les gens aillent sur le site d'enregistrement, et quand les enregistrements sont faits, et le système national de recensement synchronise avec l'instance de gestion d'enregistrement des cas vaccinés. Et à ce qui concerne donc le package, donc le système contient le registre de vaccination et aussi la partie des effets secondaire donc suivant la vaccination et aussi le stock. Vous attendez très bien que donc le registre c'est à travers les tablettes qu'on collecte donc les informations, et dès que tu vois avec l'usage d'application Android, donc ça se fait en ligne, et dès que l'internet est disponible, donc on fait la synchronisation. Donc tout ça, ça a contribué aux quelques retards dans la synchronisation et dans l'intégration des données des sites de vaccination. Suivante. Comme l'image vous le montre, donc pas dans tous les sites de vaccination, et il y a certains sites qui utilisent donc les papiers, mais fin de la journée ou bien après les services de vaccination, l'équipe des sites sont supposées d'entrer les données dans le système. Les données, donc les gens enregistrés sur les papiers ou les registres de vaccination papier. Et donc, comme point clé pour, même si c'est dans 30 jours, tu vois, donc le système a toujours quelques difficultés, mais on espère que donc quand on va avancer progressivement, donc certains des défis vont disparaître. Mais comme point de réussite, avec l'État donc et aussi les partenaires, ils ont pu mettre en place donc une équipe de chargée pour la mise en œuvre du système, là où il y a des réunions des quartiers généraux et journaliers pour discuter les problèmes de mise en œuvre. Ici, ça aide beaucoup pour essayer d'évaluer les défis jour par jour et aussi d'essayer d'identifier les solutions d'une façon, si je peux dire, immédiate. Et aussi, on se contente qu'il y a aussi les directives du ministère
surtout à ce qui concerne donc l'usage des HIS comme registre de vaccination dans tous les pays. Ça, c'est aussi c'est l'une de c'est donc c'est-à-dire que donc l'État, le ministère donc veut donc renforcer donc la digitalisation de tous les processus à ce qui pour faciliter la vérabilité à temps réel des informations. Aussi donc les réunions régulières avec l'équipe technique, incluant donc les gens du ministère, les partenaires et l'équipe technique du HISP. Donc, à travers les différentes réunions, que ce soit à Rignes ou bien que ce soit à l'échange des idées à travers le groupe WhatsApp, donc ça nous a permis donc à faire avancer et aussi essayer de répondre à quelques défis qui se montrent durant donc ce processus de mettre en place de ce système. Slide suivante. Donc, c'est bien compréhensible que donc, quand on veut donc mettre en place ce genre de système et aussi dans un délai très court, donc, bien sûr, qu'il y ait les défis donc, qu'on doit donc gérer. Donc, ce qui a aussi peut-être aussi contribué à quelques soucis et défis. Donc, il y a eu donc, l'adhérence tardive, si je peux dire, de commencer l'initiative de décider de l'usage de l'outil électronique. Et aussi, comme ça vient très vite, et l'initiative était un peu... Il y avait donc l'urgence d'avoir un système en place pour aider ou bien pour faciliter l'enregistrement des gens vaccinés. Donc, on n'a pas eu le temps de faire les formations, si je peux dire, magistrales et aussi que ce soit à physique ou bien en ligne. Donc, on a eu une petite séance d'orientation. Et aussi, il y a eu aussi quelques difficultés en rapport avec la disponibilité des financements, surtout avec la disponibilité des crédits d'Internet. Ils vont avec, si tu veux mettre en place un système qui va dépendre beaucoup à l'usage de l'application Android, il faut avoir donc les crédits Internet pour que simultanément ou bien à la fin de la journée, donc les gens vont synchroniser les données. Et bien sûr qu'en commençant, nous avons initialement exploité l'usage des attributs photo pour identifier les gens. Et ça a aussi contribué à quelques erreurs dans la synchronisation. Tu vois, avec les tablettes, ils ont par défaut donc la taille des photos et la taille des photos donc est en 2 mégas. Donc, tu vois, si tu enregistres 10K, c'est-à-dire que donc il y a à peu près 200 mégabits par mégapixel. Donc, ce qui justifie que donc il y a une grande taille des informations à synchroniser. Et l'autre contrainte qu'on a eue, c'est-à-dire que donc, parce qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'enregistreurs au site de vaccination, ce qui a contribué au lenteur, ou bien donc au lenteur donc d'enregistrement des cas vaccinés. Mais ces jours-ci, donc, en collaboration avec les partenaires, le ministère de la Santé est en train de voir comment donc ils peuvent augmenter le nombre des enregistreurs pour que donc quelqu'un vacciné va être directement aussi enregistré dans le tracker pour s'assurer que dès que pour la deuxième dose, ça sera aussi facile à avoir cet individu. Bien sûr que chaque défi, il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'initiative. Pour s'assurer que donc on continue de renforcer la capacité des utilisateurs au niveau au site, on continue bien sûr à travers donc les appels téléphoniques, les emails, le groupe WhatsApp ainsi de suite pour essayer d'échanger les astuces pour résoudre ou bien adresser à quelques défis rencontrés.
et aussi essayer de collaborer avec les partenaires en fait d'avoir les crédits pour la synchronisation et aussi l'usage des registres papier en même temps que donc les tablettes pour que dès qu'il y a peut-être une erreur de synchronisation et qu'on a aussi l'autre option de faire la correction avec l'information sur. Le slide suivant, s'il vous plaît. À présent, donc, il y a quelques difficultés qu'on est en train de travailler avec à ce qui concerne donc les stratégies mobiles et avancées, donc dans la planification des ressources pour faciliter, tu vois, avec il y a les vaccinodromes donc qui s'ajustent d'une façon ad hoc là où on doit un peu se stratégiser, donc d'avoir un bon plat et aussi les tablettes et donc toutes les ressources pour faciliter ce genre d'activité. Et aussi, comme je le disais tout bien avant, donc il y a plein de gens donc, qui viennent pour la vaccination et donc le nombre des enregistreurs n'est pas encore suffisant donc pour être à la hauteur de obligé d'enregistrer simultanément donc tous les cas qui se présentent. Bien sûr qu'avec donc les gens ont été habitués à l'usage des papiers, donc ils voient avec l'usage de la technologie donc il y a certaines réticences aux utilisateurs au niveau, que ce soit au niveau national ou bien au niveau des sites. Si les gens ont été habitués à l'usage d'Excel ou bien de papier, tu vois, les gens ont toujours tendance à utiliser les outils qui sont en reste, mais tu vois, avec le DHIS, donc facilite l'agrégation et la disponibilité des informations à temps réel si tous les cas vaccinés ont été enregistrés. Et donc, ça, c'est un processus, mais on espère que donc, ça va s'améliorer au fur et à mesure que donc, le système va être utilisé. Bien sûr que l'autre barrière, donc, c'est jusqu'à ce moment, donc, on se contente des formations virtuelles. On n'a pas eu donc, la chance de faire donc, les formations, donc, les formations, si je peux dire, présentielles. Donc, ça, c'est l'autre aussi barrière, mais on essaie d'utiliser autres stratégies comme élaboration des guides, des vidéos de saisie pour essayer de partager les astuces à tout et chacun donc qui contribue aux enregistrements et aussi aux services de vaccination. Je peux pas bien sûr la slide suivante. Ok, donc je ne peux pas bien sûr sans toutefois retourner sur au Rwanda, là où on a eu l'occasion de mettre en place donc l'usage de ce paquet, si je peux dire, avec Sixin. Comme vous voyez sur ces images, donc on a eu la chance, ou bien on a eu la chance d'avoir visite des autorités. Que ce soit, tu vois, avec le président Macron, avec le ministère de la Santé. Ils ont pu aussi être exposés à la mise à l'implémentation du Rwanda, où, comme vous voyez, donc, même aussi les internationaux ont pu apprécier l'usage de ce paquet basé sur DHS2 pour faciliter l'enregistrement des gens vaccinés aussi. Faciliter aussi la distribution des certificats de vaccination pour ceux qui ont eu, bien sûr, la deuxième dose. Espérons que donc, ça va être la même histoire qui va se répliquer au Madagascar, considérant donc les efforts fournis par le gouvernement, le ministère de la Santé et les partenaires. Merci. C'est tout comme je peux partager pour vous.
Merci beaucoup, Adolphe. Je vais te poser une petite question pour conclure. Si, car dans nos participants, nous avons des pays qui seraient éventuellement intéressés par tout cela, si tu avais un ou deux conseils, fort de ton expérience en termes d'implémentation de couverture vaccinale, et tu avais un ou deux conseils que tu voudrais distiller à nos participants, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu dirais en priorité? Ok. Je peux... Il y a beaucoup de conseils à partager, mais jusqu'à maintenant, donc, ce que je peux dire, c'est dès que, avant, le premier conseil, c'est de s'assurer avant de mettre à l'échelle le système, d'avoir le temps de vérifier et de s'assurer que la version mise à l'échelle est la version, finale pour éviter. Et quelques dérangements ad hoc au niveau surtout de l'interface de saisie, parce que si l'implémentation est avec les tablettes, ça contribue beaucoup aux erreurs de synchronisation. Et l'autre, c'est de ne pas avoir peur d'adopter la digitalisation, parce qu'il y a trop des avantages à l'usage des outils électroniques comme la disponibilité à temps réel des informations et aussi production des rapports à temps voulu. Merci. Merci beaucoup, Adolphe, pour ces conseils. J'espère qu'ils seront utiles à nos participants. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc la prochaine présentation. Donc, ça va être M. Raoul Nambo, qui est gestionnaire de données PER au sein du ministère de la Santé du Cameroun, et qui va donc nous parler du travail effectué en termes de couverture sanitaire, plus particulièrement le changement vers un système électronique. Raoul, tu as la parole. Merci. Je ne sais pas, Alice, j'avais fait une présentation à côté, mais bon, je ne sais pas si je vais te présenter les défis ou bien je présente ou je pourrais partager mon écran. J'avais fait une autre présentation et là, j'avais juste complété la présentation, le template de présentation là. Ok, donc oui, d'accord. Donc, tu es en train de dire que tu souhaiterais partager ton écran, c'est ça? Oui. Oui. Alors, Victoria, ça ne te dérange pas d'arrêter le partage d'écran et Raoul va partager son écran afin de faire sa présentation. Vas-y, Raoul, tu peux y aller. Ok, merci. Tu sais comment tu arrives à partager ton écran? Ah oui, ça va aller. Ok. Ask them again about back. You will enter inside. All right. You go enter inside last week. Ok. Bon, nous voyons tout. Ok, merci. Donc, comme je disais, je vais présenter un peu la stratégie qui a été adoptée au Cameroun, qui s'alignait avec notre plan de déploiement de la vaccination, qui s'alignait avec le plan de déploiement de la vaccination. Donc, voilà le plan de présentation. Ok. Pour ce qui concerne... le COVAX, nous avons adhéré, mais toutefois, les vaccins sont arrivés, ça c'est les différentes étapes
Les vaccins sont arrivés, le choix des vaccins s'est fait par le NICAP du Cameroun. Et les vaccins sont arrivés le 11 avril. Et à partir du 12 avril, on a commencé la vaccination. Donc, vous voyez le délai entre l'arrivée des vaccins et le début de la vaccination. On comprend que c'était vraiment un très gros challenge le lendemain. Donc, à peine les outils étaient imprimés, il fallait rapidement commencer parce que ça, c'était vraiment une priorité nationale. Donc, dans le plan de déploiement du vaccin, il y a eu tout un chapitre consacré au monitoring de la vaccination, où toute l'équipe chargée de ce travail a pensé comment mettre sur pied un système d'évaluation, un système d'information pour pouvoir maîtriser la gestion et mesurer la couverture de la vaccination dans tous les sites de santé du pays. Donc, nous avons eu deux allocations. On peut dire, en fait, ces deux allocations sont considérées comme une, parce que dans le plan, c'était les deux devaient arriver presque au même moment. Donc, l'objectif numéro un, c'était de réduire la pandémie sur les services de santé. C'est-à-dire, c'était pleinement orienté pour le personnel de santé. Donc, voici les cibles, nos cibles. Donc, pour cette première allocation, notre cible est de 812 666. Donc, ça, c'est l'allocation qui est disponible au pays en ce moment. Et il faut noter que nous avons deux vaccins, le vaccin Sinopharm et le vaccin AstraZeneca, en deux numéros de série. Et notre NITAC et le comité scientifique s'est réuni et a défini des cibles spécifiques pour le pays, c'est-à-dire les personnes de santé de première ligne, les personnels présentant une comorbidité, les personnes âgées et les autres professions comme les personnes de sécurité, les enseignants. Tout ayant déjà défini cela, il fallait maintenant penser à la stratégie, parce que le système d'information devrait vraiment s'aligner à la stratégie adoptée au pays. Nous avons choisi des centres de santé agréés, accrédités, avec certains critères bien définis. Sur le territoire national, nous avons choisi 243 centres de vaccination accrédités. Et dans ces 243, on a mis deux stratégies de vaccination, les stratégies fixes, avec des équipes d'un vaccinateur, d'un enregistreur et d'un mobilisateur social. C'est vrai que l'enregistreur a deux rôles ici, l'enregistrement des données manuelles et l'enregistrement des données électroniques. De même pour les équipes mobiles, on a un vaccinateur, un enregistreur, mais là, l'enregistreur, c'est plus pour les données registres et deux mobilisateurs par site de vaccination. Donc, voilà les ressources humaines et par équipe de vaccination et par stratégie qu'on a définie pour le pays. Donc, on s'est rassuré que tous les sites de santé du pays avaient au moins un site de vaccination et des équipes mobiles pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir couvrir des zones difficilement accessibles. Donc, en termes d'outils de collecte, là, on va commencer avec les outils manuels. Au niveau, on a développé un registre manuel. On a développé des cas de vaccins. On a mis sur pied des registres de stock pour la gestion des vaccins. Et un rapport d'activité est fait. C'est vrai que ce rapport, il est quotidien pour chaque site. Raoul, ça te fait un petit peu. Est-ce qu'il serait possible de reprendre les deux dernières phrases? OK, à quel niveau?
les deux dernières phrases. Ok. Tu disais tantôt qu'on a, pour, je vais reprendre complètement pour la slide, je disais que tantôt qu'on a développé des outils manuels, on a mis un registre manuel, un registre de vaccination, une carte de vaccination et une fiche de pointage, des fiches des registres de stock pour les vaccins et un rapport d'activité, un rapport journalier pour la transmission des données quotidiennement, et les fiches d'investigation et de notification des MAPI pour la gestion des MAPI. Donc, tous ces outils ont été développés dans un premier temps pour déjà pallier au système numérique qui n'était pas encore sur place, sur pied. Je vous ai un peu montré les différents délais entre l'arrivée des vaccins, l'arrivée des vaccins, la mise sur pied, le début de la vaccination effective qui s'est fait directement le lendemain. Et dans le plan, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc, on a commencé ces outils manuels-ci. Maintenant, en matière d'outils électroniques, avec l'appui de IPS, on a développé des formulaires pour la transmission des données, des formulaires agrégés. Là, et le registre de vaccination lui-même. Donc, on a développé ces deux modules-là. On va voir pourquoi les formulaires agrégés, le registre de vaccination. Là, c'est déjà pour pallier aux problèmes d'Internet qu'on pourra avoir dans certaines localités pour une utilisation synchrone du registre, pour une utilisation synchrone lors de la prestation des services. Et là aussi, il y a des cartes de vaccination qu'on est en train de travailler dessus avec toujours l'appui de IPS, la carte électronique de vaccination. Et localement même, il faut le dire, localement même, on a aussi des propositions, des solutions développées en local par d'autres structures. Et tout cela, on reste très ouvert parce qu'il faut laisser l'ingéniosité locale. Donc là, la semaine dernière, on était avec une structure qui nous proposait des cartes une autre solution pour les cartes de vaccination qui devraient être reliées à notre base de données DHIS2. Nous avons aussi les formulaires des MAPI qui sont déjà implémentés dans le système et les systèmes de gestion des stocks qui est utilisable à tous les niveaux, les formulaires d'investigation des cas suspects les cas suspects en fait de COVID-19, là, ça c'était déjà pour le côté surveillance. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Et après tout cela, on a notre dashboard de suivi des progrès, accessible à tous les niveaux. Donc, voilà les outils électroniques que nous avons eu à développer avec l'appui de IPS sur le DHIS2. Et dans le système de transmission de données va complètement changer parce que s'alignant au système, quand on était sur le papier, c'était un peu vraiment difficile. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait on n'a pas encore fait le basculement complet. Donc, les districts de santé, il y a quelques districts de santé seulement qui ont commencé à saisir les données parce que ceux-là, on a juste des formations en ligne. Donc, ce n'est pas encore dans tout le pays. Mais voici le système électronique où nous voulons y arriver, c'est-à-dire un point de saisie et puis toutes les informations accessibles à tous les niveaux. Donc, les prochaines étapes dans notre plan de déploiement, voici le déploiement des formulaires qui est déjà effectif au Cameroun et les autres activités. Donc, si on va maintenant au niveau des défis, quels sont les défis, quelles sont les barrières, quelles sont les solutions que nous entrevoyons pour relever ces défis? Dans les points clés pour la réussite, nous avons pu mobiliser des fonds pour la formation en présentiel de tous les 243 sites de formation que je vous ai présentés plus haut. Et cette formation va aussi couvrir les superviseurs, c'est-à-dire les responsables au niveau des sites de santé et des équipes régionales.
Donc, nous avons mobilisé des fonds à cet effet pour une formation en présentiel. Parce qu'on s'est rendu compte que les formations en ligne, il y avait quelques petits couacs. Donc, on a pu, avec l'appui de l'OMS, on a pu mobiliser certains fonds pour, à cet effet. Nous avons aussi la dotation des centres de vaccination en tablette pour la saisie des données. Quelques centres ont eu des tablettes, mais ça, c'est encore insuffisant. On est en train de faire les plaidoyers à cet effet dans, sur le plan national. Et d'autres points clés pour la réussite, c'est le suivi rapproché des centres de vaccination par les équipes des décideurs de santé régionales. C'est pour ça donc que la formation, qui n'est pas encore faite parce qu'il faut le noter, entrevoit tout ce package pour que les décideurs de santé, les régions, soient des supports de première ligne pour les formations sanitaires accréditées. Et pour le moment, nous avons la saisie agrégée au niveau des FOSA qui est aussi disponible, qui va permettre d'avoir l'information avant la saisie différée pour les sites qui ne pourront pas le faire de façon instantanée. Et avec le DHIS, nous avons aussi cette opportunité que dans 5 régions sur 10, nous utilisons déjà le tracker DHIS. Parce qu'il faut le noter là, au niveau des barrières, parce qu'il faut noter déjà la gestion du changement qu'il faudra faire face. Parce que ce système est nouveau au Cameroun. C'est-à-dire, nous voulons mettre sur pied un système d'enregistrement instantané. Vous savez, les prestataires de soins sont habitués à leur registre de vaccination. Et même quand on a utilisé le tracker, les données étaient toutes saisies de façon différée. Donc, voilà le gros challenge qu'on aura pour l'implémentation de ce système-là. On comprend que dans les zones reculées, on peut faire des saisies différées. Mais dans les zones urbaines, on va aussi faire face à cela parce que l'habitude, il faudra casser cette habitude-là, les amener directement à faire une saisie directe au lieu de faire une saisie différée pour gagner en temps et puis pour mieux organiser leur poste de vaccination. L'une des barrières aussi, c'est la faible connectivité Internet. Dans cet effet, comme j'ai précisé tantôt, nous comptons transmettre les données agrégées et faire la saisie des données différées. Il faut noter qu'au Cameroun, le déploiement du DHIS sur le plan national s'est fait au niveau de la formation sanitaire. Donc, toutes les formations sanitaires sont capables de transmettre leurs données, même à partir de leur smartphone. Donc, ça, c'est un avantage que nous devons mettre à profit pour régler le problème de faible connectivité Internet parce qu'aujourd'hui, avec une couverture qui est déjà plus ou moins acceptable au pays, on peut avoir Internet à partir de n'importe quel opérateur sur son smartphone et transmettre au moins les données agrégées, même si on ne peut pas saisir les données individuelles sur le tracker. Nous avons aussi la faible couverture en réseau électrique. Et pour pallier à ce problème, comme pour la connexion Internet, nous comptons transmettre les données à partir des téléphones parce que là, c'est facilement rechargeable, même avec des systèmes solaires dans les zones reculées. Et faire des saisies différées dans les zones par les décideurs de santé. C'est pour cette raison qu'on pense à une formation vraiment très holistique, opérateur, superviseur, pour être le support du niveau plus bas. Encore un autre point clé pour la réussite de ce projet, c'est la mobilisation des financements pour un meilleur suivi. Parce que tout système, les systèmes électroniques nécessitent parfois des gros financements pour accompagner les utilisateurs, pour faire des supervisions et pour vraiment faire des formations quand la nécessité se présente. Et la disponibilité d'une équipe support va être très importante pour la réussite de ce projet. Et comme tout projet d'envergure nationale,
on a besoin d'une autorité politique, c'est-à-dire l'appui des autorités ministérielles. Au pays, nous avons le ministre qui est très impliqué sur ce projet. Donc ça, c'est une autre opportunité que nous saisissons qu'on devra saisir pour mettre à profit afin que le projet puisse réussir. Toujours au niveau, maintenant au niveau des barrières, des solutions encore, parce que là, je l'ai fait sur deux slides. Nous avons aujourd'hui plus de 65 000 personnes à enregistrer. Ça veut dire que la vaccination commencerait le 12 avril, mais l'adhésion n'est pas toujours ça. Aujourd'hui, ce matin, en faisant le point, il y a 66 000 personnes environ. Donc, ces 65 000 personnes doivent être enregistrées dans le système. Tout ça, c'est pour ceux qui ont pris la première dose. Donc, voilà un gros défi auquel on est confronté. Donc, pour relever ce défi, nous comptons utiliser l'opportunité des formations en présentiel dans les régions pour faire le rattrapage des saisies. Et Gavi a déjà, il y a un recrutement d'un consultant pour appuyer la saisie dans les 10 de centre. Je pense qu'il y aura encore d'autres appuis dans ce sens-là. Et une autre barrière, c'est les fonds sanitaires qui ne disposent pas d'un ordinateur, d'une tablette. Et donc, dans le plan de formation, il y a l'accompagnement des titres de santé pour la remontée des données dans les zones difficilement accessibles par le réseau Internet et électrique. Parce qu'au moins, tous les titres de santé sont dans les capitales des départements, donc disposent d'une connexion Internet et d'une couverture électrique. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a. On va mettre à contribution les DICI de santé pour appuyer la remontée des données. Ça, c'est ce qui est pensé dans le plan de formation. Donc, merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation, Raoul. Est-ce que je peux te poser la même question que j'ai posée à Adolphe? Si tu as, fort de ton expérience, si tu as un ou deux conseils que tu aimerais donner aux participants qui sont en train, qui considèrent éventuellement cette implémentation pour leur pays, qu'est-ce que cela serait? Comme j'ai présenté là, c'est premièrement, pour ma part, le plus important, c'est l'accompagnement de l'autorité, l'accompagnement. Je vais parler de l'accompagnement à deux niveaux, c'est-à-dire l'accompagnement des autorités, des décideurs et l'accompagnement de l'équipe technique pour être vraiment très proche des utilisateurs, parce que pour réussir sur ce projet, comme je présentais tout à l'heure, le change management, c'est vraiment ça pour moi la clé de réussite dans le projet, la gestion du changement. Dans cet effet, vraiment, c'est l'accompagnement, être à l'écoute de l'utilisateur et avoir le soutien de l'équipe des décideurs. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Super. Merci beaucoup, Raoul, pour cette très belle conclusion et pour cette présentation fort inspirante. Maintenant, nous allons passer, Raoul, si cela ne te dérangerait pas d'arrêter de le partager. Super, merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière intervention de ce webinaire. Que le temps passe vite, que le temps passe vite. Donc, ce serait Oumou qui va donc nous présenter ce qui a été fait au Sénégal. Oumou, est-ce que tu es parmi nous? Ah, tu ne peux certainement pas. Laisse-moi te mettre en... Voilà. Et ensuite, normalement, cela devrait être possible d'activer ton micro. Super, merci beaucoup. Il faudrait activer mon micro. Oui, désolé. Merci, Alice. Merci à tout le monde et à mes prédécesseurs aussi par rapport à la présentation riche. Donc, pour ma part, je vais vous présenter l'expérience du Sénégal en termes de stratégie de mise en œuvre concernant la vaccination. Donc, nous, au Sénégal, donc c'est les données agrégées que nous avons utilisées. Donc, dès l'annonce par l'autorité concernant le commencement des vaccins de vaccination
au niveau du Sénégal. Donc, il y a eu un lancement officiel donc, qui a été effectué par l'autorité sanitaire déjà au niveau du ministère. Donc, où la plupart des autorités sanitaires ont eu à se faire vacciner. Donc, pour sensibiliser un tout petit peu la population, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs concernant les vaccins. Donc, ensuite, l'autorité toujours du ministère a eu à mettre en place un cadre de coordination nationale, donc toujours pour la gestion de ces vaccins. Donc, c'était des rencontres hebdomadaires présidées par le ministre en question de la Santé et puis l'ensemble des médecins-chefs de région, l'ensemble des gouverneurs donc, qui statuaient sur la question de la vaccination dans sa globalité, aussi bien les données, la mise en œuvre, le déroulement de la campagne dans les régions de façon décentralisée, tous les problèmes. Donc, c'était des rencontres très fructueuses organisée par le ministre de la Santé, donc pour faire le suivi de cette campagne-là. Il y a eu aussi, on a noté vraiment un engagement du plus haut niveau, donc du Sénégal, je vous parle du gouvernement, du ministère de la Santé par rapport à la mise à la disposition de ces vaccins. Donc, nous avons eu une première dotation donc, en Sinopharm déjà. Donc, pour rappel, le Sénégal a utilisé ces deux types de vaccins, le Sinopharm et l'AstraZeneca. Donc, en premier lieu, c'était le Sinopharm, déjà. Et puis, par rapport au reporting des données, il y a eu une plateforme donc, qui a été mise en place par une autre équipe qui se trouve au niveau du ministère de la Santé, l'équipe de digitalisation, pour l'enregistrement individuel des personnes qui veulent se faire vacciner. Donc, mais pour notre part, nous, système d'information sanitaire quand même, donc nous avons eu à réfléchir sur les outils déjà, les supports primaires donc, qu'il fallait créer pour la collecte des données, le rapport, le TACAJO, le tableau de collation journalier, et puis les formulaires qui nous permettent de saisir les données au niveau de la plateforme. À la grande surprise des acteurs de la santé, donc, la création de ce formulaire-là de façon journalière, parce que la plupart d'entre eux croyaient que ça serait au niveau hebdomadaire, mais on a pu quand même paramétrer ce formulaire-là de façon journalière. Le premier jour donc, du lancement de ces vaccins-là, on a eu à mettre en place ce formulaire-là. Donc, vraiment, on a déployé une équipe durant le week-end pour mettre ce vaccin, tout ce qui suit. Je veux parler du tableau de bord, n'est-ce pas, des indicateurs qu'il fallait utiliser pour le suivi, etc., etc. Donc, le Sénégal a utilisé le DHSE pour saisir les données de façon agrégée et de façon journalière, n'est-ce pas. Maintenant, il y a aussi la lecture de communiqués qui faisait toujours la situation de l'administration des vaccins au niveau du Sénégal. Donc, les données provenaient du DHSC. Diapo. Donc, nous avons déjà comme réussite l'utilisation, puisque au niveau du Sénégal, c'est le DHSC qui est utilisé pour la gestion des données sanitaires, l'utilisation de la plateforme pour la gestion des données COVID de façon générale. Pour rappel, nous avons élaboré déjà le tracker COVID pour les cas de COVID. Donc, il fallait continuer dans cette même lancée pour la gestion des vaccins COVID. Donc là, ça fait journalièrement, n'est-ce pas, de façon harmonisée sur tout le territoire, toutes les structures du Sénégal, tous les postes de santé. Donc, les centres de santé utilisent ce formulaire-là pour faire la saisie. Donc, c'était vraiment facile, c'est un avantage, puisque au Sénégal, le DHS est jusqu'au niveau communautaire. Donc, les points de prestation, je veux parler, les postes de santé utilisent le DHS depuis très longtemps. Donc, ça n'a pas nécessité vraiment une orientation ou une formation. Donc, il fallait juste mettre en place le formulaire pour que les prestataires commencent à faire la saisie. Et ils l'ont commencé même le jour du lancement
du vaccin COVID. Il y avait aussi comme réussi la disponibilité donc, des données de la vaccination à la création du tableau de bord, donc qui a beaucoup aidé, qui a permis aux autorités de faire le suivi journalier. Donc, on est allé jusqu'au niveau stock, donc pour chaque structure, pour chaque région, puisque les régions médicales, les médecins-chefs de région, donc devaient présenter leurs données de façon hebdomadaire devant le ministre. Donc, il fallait avoir un outil qui capitalise les données, donc à temps réel, de façon journalière. Mais quand même, nous avons eu quelques difficultés, puisque quand on a voulu créer les outils et tout, le paramétrage du format et tout, on s'était limité sur les deux types de vaccins, croyant qu'on allait se limiter à ces deux vaccins, Sinopharm et AstraZeneca. Donc, à un moment donné, ça nous a rattrapés. Donc, la direction qui a chargé la vaccination nous a sollicité pour augmenter donc, les types de vaccins, les tranches d'âge aussi. Donc, il fallait les mettre à jour pour prendre, parce que tout à fait au début, nous avions pris les moins de 60 ans, donc avec comorbidité, les plus de 60 ans et puis le personnel de santé. Donc, c'était la stratégie, en fait, qui avait été utilisée pour commencer la campagne de vaccination. Donc, ces mises à jour-là, donc, concernant les formulaires et tout, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Donc, il fallait enlever l'ancien formulaire. Donc, ils nous appellent pour dire qu'il faut faire un rattrapage. On n'était pas à jour, n'est-ce pas? Donc, ça nous a créé pas mal de problèmes. Donc, il y avait des doublons déjà. Au niveau de la saisie. Donc, il fallait régler toutes ces questions-là pour avoir de bonnes données afin de prendre de bonnes décisions. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais quand même, on s'en est sorti. Il y avait aussi la réticence d'une partie de la population à se faire vacciner. Donc, ça aussi, c'était un problème à cause des rumeurs concernant les effets secondaires de ce vaccin. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes. Par rapport à l'exhaustivité aussi, ça a coïncidé avec le mois de Ramadan au Sénégal. Donc, certains disent qu'il ne faut pas se vacciner durant le mois de Ramadan. Donc, et puis, après 20 heures, donc, c'était vraiment difficile de faire venir les populations dans les points de prestation pour se faire vacciner. Du coup, ça a chuté. Donc, ça faisait vraiment partie des problèmes qui nous a un tout petit peu tirés vers le bas. Et maintenant, nous avons eu à mettre à jour le formulaire, donc fusionner les deux formulaires pour n'avoir qu'un seul formulaire pour éviter les doublons, et puis mettre des stratégies par rapport à la communication pour que les populations acceptent donc le vaccin. Tous les jours, il y avait au niveau de la presse le compte rendu des réunions hebdomadaires que le ministre faisait par rapport la pharmacovigilance concernant les effets secondaires donc des vaccins pour assurer un tout petit peu les populations à venir se faire vacciner dans des centres de vaccination. Diapo. Toujours, nous avons comme réussite l'utilisation des données dans la plateforme, je l'ai dit tantôt. Donc, c'est à partir des tableaux de bord donc, que les acteurs de la santé, nos autorités, donc, ont pu faire des analyses et puis avoir le niveau de stock, les stocks qu'il fallait déployer, puisqu'il y avait beaucoup de résistance dans certaines zones. Il fallait, à un moment donné, déployer ces vaccins-là dans d'autres zones où les populations sont beaucoup plus adhérentes. Donc, une bonne gestion des stocks de vaccination, l'appropriation aussi des acteurs de la santé pour la réussite de la campagne, puisque quand on a mis en place le formulaire, l'ensemble des acteurs se sont mis à faire la saisie, il n'y avait pas de problème. Le lendemain, quand nous avons donc interrogé la base avec le tableau de bord, on s'est retrouvé avec des données, ce qui n'était pas évident parce que les acteurs, des fois, les gestionnaires de sont un peu réticents, ils demandent des formations par-ci, par-là. Mais avec la campagne, vraiment, c'était devenu spontané. Donc, mais il y avait aussi les problèmes d'accessibilité dus à l'inscription en ligne des populations pour se faire vacciner. L'autre plateforme qu'on avait mis en place, ça a créé beaucoup de problèmes. Les gens se sont inscrits, ils attendaient qu'on les appelle
mais des fois, donc il y avait d'autres qui se rendaient jusqu'au niveau de prestations. Donc pour se faire vacciner, ça a créé un cafouillage extrême. Mais bon, il y a eu des stratégies. Il fallait communiquer pour donner des instructions au niveau des disciples, pour leur dire que les personnes qui se présentent au niveau des structures doivent se faire vacciner. On ne doit pas vraiment se focaliser sur l'inscription en ligne pour vacciner les populations. Donc, il y a eu une mauvaise gestion des rumeurs sur les effets des vaccins. Donc, on l'admet au Sénégal. Donc, beaucoup de personnes ne se sont pas vaccinées. Déjà, le fait que les autorités se sont vaccinées avec Sinopharm, avec l'arrivée de AstraZeneca, beaucoup de gens ne voulaient pas se faire vacciner. Le manque de motivation aussi des gestionnaires de données pour faire la saisie journalière. Il y en a qui se sont plaints parce qu'on a eu à faire une petite supervision, puisque la majorité des cas de COVID qu'on a eu sont concentrés sur Dakar. Donc, on a eu à faire des supervisions pour voir les goulots d'éclatement par rapport à ça. Et ils nous ont dit que depuis le début de cette campagne-là, on n'a pas été vaccinés, etc., etc. Donc, ça, je suppose que ça a créé un tout petit peu une lenteur par rapport à la saisie des données. Donc, nous comptons faire vraiment des supervisions en présentiel, puisque jusqu'à l'introduction du vaccin Sinopharm, on assistait les gens à distance. Bon, on s'est dit qu'il faut qu'on se déplace pour améliorer un tout petit peu des supervisions à distance aussi. Donc, on compte le faire pour régler certaines difficultés. Diapo? Non, c'est fini. Ah, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. C'était l'économie de ma présentation. Pour vous dire que vraiment, au Sénégal, on n'a pas eu trop... par rapport à la gestion de données, les gens se sont habitués à utiliser DHS. C'était tellement spontané. Nous aussi, on a pris les devants depuis le début, bien avant même la campagne, à mettre en place cet outil-là pour que les gens saisissent normalement et qu'on puisse avoir les données à temps. C'était vraiment pour nous un challenge. L'autorité utilise les données à travers les tableaux de bord de la plateforme DHS. Je vous remercie. Merci beaucoup, beaucoup, Oumou. Alors, j'ai deux choses à ajouter. La première chose, c'est que si vous voulez voir en quelque sorte ce que j'appellerais la première partie de cette implémentation, le Sénégal et le travail de Oumou avaient fait l'objet d'un article que nous avions publié sur la communauté de pratique, donc dans la section Le coin des francophones que vous connaissez tous. Donc, si vous y allez, vous serez en mesure de voir donc, un article qui a été publié le 2 mars qui s'appelle « Harmoniser la collecte de données pour une meilleure riposte contre la COVID-19 au Sénégal ». Donc, je vous invite vivement à y aller et à consulter cet article. Ce serait pour avoir un peu une idée du point de départ de tout ça et de ce qui a été fait au Sénégal. Très intéressant. Merci beaucoup, Oumou. Et j'ai aussi une autre petite question pour toi parce que c'est aussi un des thèmes qui sera abordé notamment lors de notre conférence annuelle. En parlant de ça, je mentionnerai la conférence annuelle un peu plus tard. Mais donc, tu as mentionné justement la gestion de rumeurs sur les effets secondaires qui a impacté justement l'entrain de la population à vouloir se faire vacciner. C'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, tu avais mentionné qu'il y avait eu donc des actions de communication qui avait été mise en place afin de pallier à cela. Donc, tu as mentionné notamment la parution d'articles de presse du ministère. Est-ce qu'il y a eu d'autres... En fait, j'avais plusieurs questions. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Et est-ce que vous avez pu avoir donc une idée de l'impact de ces actions-là, justement, sur la population? Oui, oui, ça a changé quelque chose. Puisque en ce moment-là, avant de déployer ces stratégies-là, on avait une faible fréquentation des structures par rapport à la vaccination. Maintenant, quand le ministre a instruit les médecins-chefs de région et les gouverneurs donc de mener des actions de communication au niveau de chaque région,
Donc, ces derniers ont eu à le faire, c'est-à-dire aller des fois dans les marchés ou bien utiliser les autorités religieuses, n'est-ce pas, pour communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les vaccins-là, les avantages de se faire vacciner. Donc, ça a un tout petit peu amélioré l'exhaustivité. On l'a senti au niveau de la base, la saisie. Aussitôt après, on a vu que les gens se sont déplacés vraiment en masse dans les structures pour prendre l'AstraZeneca, puisqu'il y avait plus de Sinopharm. Donc, ils avaient entendu beaucoup de méfaits sur l'AstraZeneca, mais après beaucoup de communication, de stratégie, auprès des autorités locales. Donc, ça a pu booster un tout petit peu. Oui. Merci beaucoup pour cette précision. Et il est vrai que de toute manière, les actions de sensibilisation ne peuvent se faire sans l'adhésion des autorités locales. De toute manière, c'est quelque chose de clé. C'est quelque chose de... Et c'est vraiment très intéressant et aussi, je pense, important de le rappeler, d'autant plus dans notre contexte, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est ou sur le continent de manière globale et générale. Merci beaucoup, Oumou, en tout cas, pour cette présentation, encore une fois, très inspirante, encore une fois, remplie de d'informations, en tout cas, utiles et pertinentes pour la communauté. C'est toujours un plaisir de t'entendre et de te recevoir de toute manière. Merci à vous, merci à tous. Alors, nous n'allons pas tarder à clôturer le webinaire. Néanmoins, il y a une question, je pense, qui était destinée à Adolphe. Si Adolphe, si tu veux bien, donc il y avait une question, excuse-moi, j'essaie juste de la trouver sur la communauté de pratique, je l'avais. Ah oui, voilà, elle est là, donc. Adolphe? Je ne suis pas sûre que Adolphe nous entende. Ah oui, non, en fait, il n'y a pas de son, d'accord. Alors, nous allons très certainement répondre à cette question probablement après le webinaire. Néanmoins, ce que l'on peut faire, bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va devoir, malheureusement, hein, le temps passe très, très vite, mais s'il y a une ou deux personnes qui souhaiteraient poser une question live, je vous en prie, utilisez le petit, il y a une petite icône là de main qui est levée, vous pouvez l'utiliser et ainsi on vous donnera la parole. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Abdoulaye, je vois que... Ah oui, donc Hamza, pardon. Hamza peut répondre. Super, un instant, je vais... Hamza, est-ce que vous pouvez vous activer votre micro? Hamza? Hamza, vous m'entendez? D'accord, mais est-ce que donc vous pouvez... Ah, oh, d'accord. Alors, nous avions une question, ce serait bien fait de répondre de manière live, Hamza. Merci. Donc, nous avions une question pour Adolphe de la part de Abdoulaye Maga qui a quelle disposition Madagascar a pris pour accélérer la vaccination avant l'expiration du lot actuel du vaccin, qui était le 27 juin. Le micro n'est plus sur mute, donc vous pouvez vous exprimer. Ok, je pense qu'il y a des problèmes, nous n'entendons pas Hamza. Donc, nous allons passer à une des étapes que j'adore,
pendant nos webinaires francophones. Alors, je vous propose de mettre en marche vos caméras et nous allons prendre une photo de groupe. Super. Victoria, je pense que tu peux arrêter le partage de micro, d'écran, s'il te plaît. Voilà, afin que. Alors, il faut que moi, j'active le mode galerie. Super. Et ensuite, voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Je vous prie. Alors, je vais prendre un screenshot, hein, un instant. J'ai quelques petits règlements à faire d'abord. Voilà, super. Vous faites un coucou? Super. Alors, je vais maintenant de ce pas. Désolée, j'ai des petites manipulations à faire. En fait, ce n'est pas si... Voilà, je vais reprendre une deuxième fois. Toujours coucou. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci, ouais. Alice. Merci, Alice. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce webinaire. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous et nous espérons vous retrouver en tout cas très prochainement. Donc, le webinaire est enregistré et sera posté sur YouTube, je pense, ce soir ou demain matin ou plus tard. De toute manière, je vous informerai dès que le webinaire est disponible. Une dernière petite note pendant que nous y sommes. Je suppose que la plupart d'entre vous avez entendu parler de la conférence annuelle BHIS2. Si ce n'est pas le cas, alors brièvement, qu'est-ce que la conférence annuelle DHIS2? Pendant 5 jours, de manière digitale, les implémentateurs, experts de DHIS2, membres de la communauté, que ce soit au niveau des donateurs, au niveau des ministères de la santé ou autres ministères, tous les membres de la communauté DHIS2 se réunissent pendant 5 jours afin de partager leur expérience, de discuter, de se tenir au courant, d'informer des dernières nouveautés relatives à DHIS2 autour de thèmes clés que sont par exemple la qualité de données, l'utilisation de données. Évidemment, nous aurons une journée entière dédiée aux problématiques de la COVID-19. Cette année, exceptionnellement, pour la première fois, et nous en sommes très fiers, j'en suis très fière, nous essaierons en tout cas, nous ferons tout nos possibles pour fournir l'interprétation d'un certain nombre de sessions en français. Donc, si ce n'est pas encore le cas, pendant que je parle, en fait, je vais vous mettre le lien. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la conférence annuelle de DHIS2, je vous invite vraiment vivement à le faire, car pour la première fois, vraiment, nous allons avoir un maximum de contenu en français. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Donc, c'est 5 jours de présentation, de démo, de partage d'informations. Nous aurons également quelques speakers qui seront là lors de la session d'ouverture. Et c'est du 21 au 25 janvier. Tranche horaire de 13h à 16h, voire plus. Oslo, heure d'Oslo. Donc, j'ai mis dans le chat le lien afin de vous inscrire vers la conférence annuelle. Et en plus, donc, en plus de l'interprétation des sessions clés de la conférence, nous aurons une session de 2 heures en français, facilitée, modérée par mes soins, avec un certain nombre d'intervenants et qui seront autour de différentes problématiques. Je communiquerai là-dessus plus tard. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. Plein de bonnes choses pour la communauté francophone. Dans le même temps, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, notamment pendant notre session exclusivement en français de 2 heures,
qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 22 juin, plus exactement, mais je communiquerai là-dessus. Si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés plus particulièrement, n'hésitez pas à m'envoyer un email, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la communauté de pratique également. Et je ferai mon maximum afin que vos requêtes, vos demandes, vos doléances soient entendues. Voilà. Donc, sur ce, je pense que nous allons nous quitter. Est-ce que l'un de mes partenaires, de mes collègues, souhaiterait dire un petit mot avant que nous nous quittions? Sakibou, Victoria, Oumou, Raoul? Non, rien à ajouter. Je vous remercie de nouveau d'être été ici avec nous. Et oui, j'espère de vous voir pendant la conférence. Nous espérons vous voir tous à la conférence, encore plus nombreux, plus de membres de la communauté francophone, s'il vous plaît, s'il vous plaît. donc voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de nous quitter. Dans tous les cas, donc rendez-vous à la conférence annuelle. Rendez-vous également dans 3 mois pour un autre webinaire qui portera également sur les défis, sur les innovations relatives à la couverture vaccinale en pays francophone. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous. Merci beaucoup et passez une très bonne fin d'après-midi où que vous soyez ou un bon début de soirée. Donc voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.